Dani, j'ai un jeu pour toi. Couche-toi par terre, mets les pieds sur le canapé. Vas-y. Voilà. Exactement. Parfait. Ça fait 6 ans. Et ton ex, elle était quand même une femme moins chiante, non? Écoute, non. Je la trouvais beaucoup plus agréable et plus gracieuse. Elle, c'est un peu... par contre, elle, vous avez pas mal de... Comment elle va, Dani, aujourd'hui? J'arrête de crier, je fais plus TikTok où je crie, je m'énerve, c'est fini ça. Ouais. Bah, sache que je t'ai trompé. C'est pas grave. C'était avec ta mère.
On n'est pas gagné aujourd'hui. J'arrête de crier, je fais plus TikTok où je crie, je m'énerve. C'est fini ça. Ah bon? Ouais. Bah sache que je t'ai trompé. C'est pas grave. C'était avec ta mère. Pardon, t'as pas compris. Comment elle va Dani aujourd'hui? Trop beau, mon garçon. Est-ce qu'elle est où? Mais il met du œuf sur son gâteau. Et là, il coupe, il bouffe. Ah, l'enfoiré. T'aurais pu attendre la story. T'aurais pu attendre la putain de story. Mais c'est pas possible. Mon gâteau. T'aurais pu attendre la story. T'aurais pu attendre la putain de story. Dani, 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 vite! Vite, Dani! Ah, j'y crois pas! Tu mets du bois dans la casserole! Non, mais du bois dans la casserole, Dani! Je suis pas prêt! Oh mon dieu, mais t'es en train de foutre le feu! Lave la voiture, mais ce qu'elle sait pas, c'est que il y a un œuf pour la main. Donc là, elle arrive. Elle a tellement. Il y a un neuf sur la banlieue qu'elle était en train de laver. Comme on l'a dit. Lundi 10h. Dani, Dani, si cette vidéo arrive 50 000 commentaires, tu portes le milieu de la France. Jamais ta vie. 50 000. Jamais de ta vie. Alors combien? Portugal à vie. Combien? 100 000. 100 000 commentaires? 100 000. Alors 100 000 commentaires, tu portes le milieu de la France et tu te mets au milieu du jardin et tu dis allez les bleus. Allez, allez les bleus. Oui? 100 000 commentaires, les gars, 100 000! Dani, si cette vidéo arrive 50 000 commentaires, combien tu coupes la frange de. Comment va mon petit cœur, mon petit sucre d'orge, mon petit rayon de soleil? Yolde, comptez là-bas. Bloqué, parce que la voiture ne fonctionne plus, elle détecte plus du tout la clé. Au départ, elle a réussi à faire de la place. On va goûter des trucs bizarres. États-Unis, Chine! Kit Kat, moins de chocolat. Je t'aime. Mais pourquoi tu fais tout ça? Arrêtez de m'appeler! Je vous ai dit, j'étais pas intéressé! C'est que t'es belle, mon amour. T'es trop belle. Comment va mon petit sucre d'amour? Mmh, putain! Oh là là, comme elle est belle! Bon, bébé, mange pas trop de pain parce que ça fait gonfler après. Oh mais merde, merde! Putain, mais merde, chier, putain! Merde! Putain, mais oh! Je peux plus te voir! Oh mais merde, putain, moi! Oh mais merde, merde! Putain, mais merde, chier, putain! Oh! Je peux plus te voir!
Ah, il a mis à la faire rager. Incroyable, ça. Ah, il a mis des bonbons dans du coca. Il a mis des mentos dans le coca pour sa mousse. Ah ouais. Et après, ça a rompé, il a donné à sa femme, et il a ouvert, et ça a tout rompé. Elle est pleine de coca. Il aime bien la faire rager. Ah ouais, il aime bien. Dis-nous ton deuxième jour de régime. C'est le troisième, s'il te plaît, merci. Voilà. J'ai très faim. J'ai très très faim. Et ça passe vite quand même. Ça passe vite. Mais moi j'ai moins faim qu'avant. Moi je veux, on mange un peu de tout ce qu'on veut. Daniela, j'ai une question. Si un jour je t'aime plus, tu fais quoi? Mais tu dégages! Non mais, si j'ai dit ça... Mais tu dégages! J'étais mon corps. Je crois que tu peux... Daniela, j'ai une question. Si un jour je t'aime plus, tu fais quoi? Mais tu dégages! Non mais, si j'ai dit ça... Mais tu dégages! Je t'aimais plus, j'étais mon corps. Je crois que je vais réfléchir à deux fois. Hein. Je réfléchis à deux fois. J'ai une question. Si un jour je t'aime plus, tu fais quoi? Mais tu dégages! Mais tu dégages! Non mais, si j'ai dit ça... Mais tu dégages! Je t'aime plus, j'étais mon corps. Je crois que je vais réfléchir à deux fois. Hein. Ouais. La tête qu'elle fait. Daniela, j'ai une question. Si un jour je t'aime plus, tu fais quoi? Essaie de me l'envoyer, celle-là. Mais tu dégages. Je t'ai envoyé sur WhatsApp. Ouais. Tu fais quoi? Lèche les doigts si la réponse est correcte. Mais je t'ai dit, fallait pas m'appeler maintenant. Mais quand je suis avec elle le week-end, tout le temps je suis avec elle le week-end. Mais non, mais bon. Écoute, on s'appelle un autre jour. Hein? Tu parles à qui? Mais à Jimmy, je lui ai dit de pas m'appeler aujourd'hui, putain. Comment t'as raconté aujourd'hui que t'appelles pas du tout? Dani! Dani! Il y a la voisine, je descends de la voiture. Elle m'a sauté dessus, elle m'a embrassé. Non, je te promets, la fille de mon fils, elle a fait ça. Non, mais je suis choqué. C'est la blonde, la fille de la blonde, là. Non, mais attends. Attends, coups. Mais c'est pour ça qu'elle rigole, il peut rire. Ouais. Ça me fait penser à Fred. Ouais. Là, il y a le même rire. Je sais que je suis là, non? C'est quoi ces chocolats matin? Quelle copine? Hé, frère, t'as pas de copine, toi? Dis pas comment ça veut dire que t'as des copines, hein? Ça fait 6 ans que t'es ensemble, j'ai jamais vu aucune copine. C'est
c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Je voulais te remercier pour ce matin. On a trop bien rigolé. Et surtout, merci pour ces chocolats qui sont juste trop bons. En tout cas, on se réjouit de te voir au bureau. Bisous. Coucou Julie. Ah. Salut. Je suis là, non? C'est quoi ces chocolats le matin? Quelle copine? Hé, frère, t'as pas de copine, toi. Dis pas comment ça dire que t'as des copines, hein. Ça fait 6 ans que t'es ensemble, j'ai jamais vu aucune copine. C'est une nouvelle. Allô? Mais je vous ai dit quoi la semaine passée? Arrêtez de manquer de respect à ma femme! C'est clair ou quoi? Non, bon, vous savez quoi? Allez vous faire foutre! Non, mais c'est pas possible! Non, mais Dani, il y a quelqu'un qui m'appelle depuis la semaine passée qui manque de respect à Ginny! Non, mais je sais pas si tu sais! What you know about? Hi. Celui-ci, il t'a partagé. Qui a une tête dans le frigo. Ah ouais, moi j'ai déjà vu celle-là. Non, il y a une note. Ah. Ça, ça a été au tout début, je pense. Ah. Elle était blonde. Elle était blonde. Bébé, petite devinette du jour. Tu vois pas que je suis un peu occupée, j'ai envie de... Quel animal a le plus de dents? C'est... La souris. La petite souris. Mais pas du tout. Bah oui. Mais pourquoi? Parce que la petite souris ramasse toutes les dents. Mais pas du tout, c'est la petite fée. Non, c'est la souris, Dani. Ah, mais pas du tout, mais quelle souris? Mais vous, mais moi, j'ai tout, vous. En français, ça donne quoi? Vous, pas du tout. Non, mais une souris. T'as déjà vu une souris? C'est dégueulasse, c'est moche. C'est dégueulasse, c'est moche. T'as fait quoi, Dani? Ok, donc le budget, c'est quoi? Nico! Oh. Dis-moi trois qualités sur moi. Ma personnalité. Allez. Je sais pas, moi, t'es... J'ai besoin! Oui, bah, t'es présente. Oh, bah, on te voit. C'est le mot de la colline, j'arriverai de moi. Parce que t'es là, t'es présente, t'es là. Mais tu t'es vu! Nico! Amour! C'est moi. Non, mais t'arrêtes d'être agressive. Voir si je t'annonçais qu'il me restait 10 minutes à vivre seulement. Hein, tu ferais quoi? Voilà, toi tu t'en veux? C'est long, hein. Amour! Dani, vite, j'envoie une photo à ma mère. Souris. C'est Dani, vite, j'envoie une photo à ma mère. Souris. Question pupute. Est-ce que tu coucherais avec une autre fille pour sauver ta copine? Tu es en vacances seule avec tes potes. Une femme te drague. Coucherais-tu avec? Bah oui, bien oui. As-tu déjà eu l'envie de tromper ta copine avec un membre de sa famille? Ah oui. Tu es déjà resté en couple par pitié? Aimes-tu ta copine actuelle? Non. Non. Question pupute.
Est-ce que tu coucherais avec une autre fille pour sauver ta copine? Tu es en vacances seule avec... Dani, t'as 5 secondes pour poser une seule question que je serai obligé de répondre par la vérité de la vérité sur la vérité. 4, 3, 2, 1... Bah, bien sûr. Sérieux, ta mère, c'est pas faire à manger. Non, mais c'est une évidence, hein. C'est vrai. Dani, t'as 5 secondes pour poser une seule question que je serai obligé de répondre par la vérité de la vérité sur la vérité. 4, 3, 2, 1... Est-ce que tu cuisines mieux que moi? Bah, bien sûr. Sérieux, ta mère, c'est pas faire à manger. Non, mais c'est une évidence, hein. C'est vrai. Dani. Comment faire de magnifiques pains pis? J'ai une question pour toi. Coucou. Dis-moi. Si tu pourrais être un animal, ça serait quoi? Un lion, c'est facile. Oh bébé, t'es trop chou, comme ça tu protèges ta lionne. Mais non, mais comme ça j'aurais une vingtaine de lionnes. J'ai une question pour toi. Coucou. La tête du lama. Tu fais quoi? Rien, Daniela. Tu vois là? Monte l'ordi tout de suite. Tu vois là? Donne-moi l'ordi. La tête du lama. Avec les dents. Tu fais quoi? Rien, Daniela. Montre leur vie. Tu vois là. Montre leur vie tout de suite. Tu vois là. Tu vois là. Donne-moi leur vie. Fred numéro 2. Ouais. J'ai un cadeau pour toi. Vu que le 16 février, c'est ton anniversaire, chaque jour, je te... Moi, je sais pas pour vous, mais à chaque fois, on me dit... Tes cheveux? Pourquoi? Mais parce que franchement ils sont soigneux, brillants, lumineux. Tu trouves? Oh, j'adore. Je te jure, je peux toucher? Oui. Ah ouais. À base de toucher les cheveux, il touche les cheveux célèbres. Ah ouais. J'adore. Je te jure, je peux toucher? Ah ouais. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bébé? Quoi? Tu utilises quoi pour tes cheveux? Pourquoi? Top, 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 top! Quoi? Tourne la tête un peu à gauche. Encore un peu. Voilà, tire la langue. Monte les yeux en l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est sur moi. Chez moi, je te ferai du café, j'espère que t'aimes le café. Je me réjouis de te voir et je te fais un gros bisou tout doux. Tout doux. Coucou Julie, comment tu vas? J'adore le café, donc si jamais... Ta gueule! Ta gueule! Je ne peux plus te voir! Je ne peux plus! Moi, c'est le café! J'adore le café! Café. Oh Dani, toi aussi t'achètes ces bougies? Putain, ah. J'en avais plein moi dans l'appartement. Oh putain, ils sont trop beaux. Toi tu me cherches aujourd'hui. Pourquoi? Regarde-moi, tu me cherches aujourd'hui. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi tu parles d'une bougie? Parce qu'avant, j'achetais... Enfin, elle achetait... Non, c'est le zigzag. Ah ouais, j'aime bien celle-là. Pourquoi la bougie? Je suis une parisienne. Dégage. J'ai plus de passion ni pour toi, ni pour elle, ni pour sa mère. C'est la voix qui dit je prends la bougie. Putain, j'en avais plein moi dans la bougie. Ah, je te jure. Regarde-moi, je me cherche aujourd'hui. Pourquoi tu parles d'une bougie? Parce qu'avant j'achetais, enfin, elle achetait ses images. Non, c'est visé, putain, c'est visé, toute ta vie c'est visé. Tu sais que tu parles d'elle, dégage. J'ai plus de passion ni pour toi, ni pour elle, ni pour sa mère. Je prends la bougie. Nico a dû enlever le ballon qui n'était pas maté. C'est une quatrième. Et ça, c'est les réalités des vacances. Et celui qui vous dit le contraire, c'est un mitoine. La réalité des choses. Donc voilà les amis, regardez mes crèmes brûlées, j'ai passé toute l'après-midi à les préparer. Franchement, bon, c'est pas très compliqué, donc c'est assez facile. Et voilà, mon assistante, qu'est-ce que t'as, Dani? Qu'est-ce que t'as? Où t'as préparé? Il y a quoi dedans? Vas-y, dis-moi. Donc voilà les amis, regardez. Bébé? Oula! Mais t'aurais pu te maquiller quand même aujourd'hui? Je suis maquillée, tu dis quoi? Tu sais quoi, ces cheveux gras? C'est la lumière. Non, reste sous la lumière, c'était mieux. Je suis un peu comme ça. Un peu comme ça. Oula! Mais t'aurais pu te maquiller quand même aujourd'hui?